On est parti. Allez, c'est parti. J'ai eu 19 secondes de noir, si j'ai bien compris. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à ce Canapé Comics. Canapé Comics qui essaye d'évoluer, puisque là, je suis via la plateforme StreamYard. Donc, je suis en train d'essayer de faire un live qui, normalement, est retransmis en même temps sur ma page Facebook French Comics Force. Ça a l'air d'être le cas. Oui, c'est le cas. Je me vois en Larsen, peut-être pour vous en Larsen, j'espère que ce n'était pas le cas. Donc, bienvenue à ce nouveau Canapé Comics, le Canapé Comics du 25 janvier. J'espère que par la suite, je saurai vraiment tout récupérer, la vidéo en live, etc., etc. Ça m'a l'air tout de même bien parti pour après la poster sur YouTube. C'est un test. Alors, j'ai essayé de la programmer cette vidéo. Et donc, du coup, il y a des événements qui ont été créés sur Facebook, French Comics Force Facebook, mais je crois que finalement, ça n'a pas fonctionné. Sur Facebook, les événements sont apparus, mais dans StreamYard, la vidéo n'était pas programmée. Donc, je suis obligé de lancer mon live tranquillou. Et donc, là où vous aviez peut-être vu une annonce Facebook French Comics Force, eh ben, vous allez peut-être être induit en erreur avec toutes ces annonces, puisque finalement, je suis obligé de lancer un live qui ne sera pas programmé. Donc, je ne sais pas si je peux les supprimer, les lives. Hop, hop, tac, j'essaie de supprimer les fausses annonces, entre guillemets. Comme ça vous laisse peut-être le temps d'arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvre, je suis Laurent, le présentateur de Canapé Comics. Canapé Comics, c'est pour l'instant au moins une semaine par semaine, une semaine par semaine, une émission par semaine, le mercredi à 21h30. Et donc, ben voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on est là tous ensemble. L'objectif, c'est que je puisse promouvoir la culture comics, les comics, avec un focus sur les comics papier. Et puis, si vous êtes en direct, ce sera top, on pourra échanger ensemble via vos commentaires, peut-être un petit peu en live parfois via des échanges, on verra comment on arrive à organiser ça. J'ai la bombe d'événements sur ma page Facebook, je suis en train de tous les supprimer pour pas vous induire en erreur et que vous alliez bien sur la bonne page. Le live qui vient de s'ouvrir uniquement et sans être programmé sur Facebook. Est-ce que j'arrive au bout de ma manœuvre? J'y arrive presque. Oui, et puis j'ai même deux viewers. Bonjour les viewers, merci de vous identifier, merci de mettre les commentaires. Alors comme je découvre un petit peu, alors faites voir si je fais ça, est-ce que j'ai une bannière qui apparaît? Oui, j'ai une bannière qui s'appelle Canapé Comics du 25 janvier 2023. Oh là là, elle est énorme cette bannière, je vais vite la masquer parce que même moi, elle me fout le bourdon. Après, je peux peut-être la mettre autrement, c'est ça? Non, je peux pas la... Je peux pas la déplacer, non, je peux pas la déplacer. Alors, je vais me permettre de la masquer. Tout, 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 tout. Alors, je crois que c'est bon, je vais pouvoir démarrer. J'ai deux viewers. Merci les viewers de vous identifier. Où est-ce que je vois les commentaires? Ça me, pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. Commentaires. On va voir s'ils apparaissent, les commentaires des spectateurs diffusent. Ok, cliquez sur un commentaire pour afficher à l'écran. Ok, on va voir si mes viewers, vous arrivez à vous identifier, à mettre quelques commentaires. Bienvenue, bienvenue pour ce Canapé Comics. Ça y est, on va démarrer pour de vrai. Canapé Comics aujourd'hui, en plusieurs temps, toujours une promotion pour un focus sur un des projets comic book made in France. Le review, la review de mes lectures comics. Et puis, la troisième partie sera consacrée à... Quoi, la troisième partie sera consacrée simplement à mon avis, à mon retour, mes premières critiques sur le jeu vidéo Midnight Suns, puisque mon fils a eu sa console Xbox Series quelque chose à Noël. Et donc, moi, j'ai craqué, je me suis offert aussi un jeu vidéo. Et bizarrement, c'était un jeu vidéo thématique comique, c'était Marvel Midnight Suns. On en reparle plutôt en troisième partie d'émission. Voilà, et on va commencer directement par le retour et la promo Comic Book Made in France, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a plusieurs comics indépendants français qui sont réalisés, notamment chez North Star Comics.
DC, North Star Comics, qui va produire plusieurs séries, plusieurs bandes dessinées, au format comics, que ce soit du super-héros ou que ce soit plutôt l'autre spectre des comics avec du polar. C'est exactement ce que nous propose L'Ogre. L'Ogre, c'est scénarisé par Jérémy, alias Jérémy Bouquin, et Monsieur K, alias Jean-Charles. La paire, le duo, qui s'est associé pour vous réaliser ce comic book, une histoire complète, en un tome pour l'instant, au prix de 10€ chez North Star Comics. Et le parti pris est d'avoir un bouquin bien sombre, avec un peu parfois une ambiance un peu malsaine, mais justement avec des dessins qui vont alléger ce ton, qui vont permettre peut-être au lecteur de rentrer plus facilement dans cette thématique, puisque finalement, le pari que prennent Jérémy et Monsieur K avec ce L'Ogre, c'est de revisiter le thème, la thématique du Petit Poucé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Petit Poucé, c'est quand même une histoire d'enfant disparu et puis de cannibalisme avec un ogre. Donc, c'est les choses et les thématiques que vous allez retrouver dans ce volume qui s'appelle L'Ogre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, on a une histoire complète et qu'à la fin de l'histoire, on est, pour ne pas vous spoiler, pour essayer de trouver les mots justes, je dirais qu'on est un petit peu bluffé et que finalement, cette histoire, cette bande dessinée, c'est nous amener peut-être sur de fausses pistes. Et c'est très très bien fichu. C'est vraiment une bonne lecture que ce L'Ogre que vous pouvez trouver chez North Star Comics. Northstarcomics.com. C'est donc tout simplement une maison d'association, d'édition associative. J'essaie de vous trouver le lien directement et le mettre en bannière ou dans les commentaires pour que vous puissiez par la suite y découvrir leur série. North Star Comics, ça n'est pas que L'Ogre. L'Ogre, c'est une des dernières séries en date. Elle est parue fin 2022. Et en découvrant North Star Comics, vous découvrirez finalement un maximum de titres du super-héros made in France, du polar. On a plusieurs titres. On va avoir Optitea, bien entendu, L'Ogre, Le Privé, Heroix, et puis encore d'autres séries à venir prochainement. On espère avoir de nouveaux titres. Jeff, le boss de North Star Comics, espère avoir de nouveaux titres prochainement. Alors, j'aimerais vous mettre une bannière avec, boum, juste pour que vous voyez le lien. Alors, est-ce que ça apparaît si je fais ça? Ouais, northstarcomics.com. Donc, vous pourrez, bien entendu, aller visiter ce site et puis peut-être découvrir de nouvelles bandes dessinées, des bandes dessinées, surtout made in France. On est des artistes français, on est dans un système associatif, et notre pari à nous, c'est de faire sortir et de produire des bandes dessinées, et donc c'est ce qu'on arrive à faire dans ce collectif qui est North Star Comics, avec des rendez-vous réguliers tout au long de l'année, notamment cette année, on va être sur Douai, je vous redonnerai les dates, sur Dieppe, plutôt en juin, et comme chaque année, on sera à Blois et à Saint-Malo pour les deux gros festivals de l'année auxquels nous participons tous les ans. Alors, voilà pour cette première partie, c'était la promo, le focus sur un projet comic book made in France. C'est un pari que je me suis tenu, c'est une sorte de ligne de conduite que je me tiens à chaque émission Canapé Comics, quand même vous présenter à chaque fois une des créations made in France qui existe, puisque là, il y a eu une sorte de nouvelle gamme, de nouvelle vague des comics made in France depuis 2010, donc il y a pas mal de productions qui sont sorties, elles sont très peu connues, donc l'objectif c'est d'essayer de les faire connaître un petit peu plus au public, bien entendu. Voilà pour la première partie. On va passer directement à la deuxième partie. J'essaie de voir s'il y a des commentaires. Je pense que j'ai des viewers. Apparemment, j'ai des viewers, mais je n'ai pas de commentaires. Mes amis, les viewers, envoyez-moi vos commentaires. Moi, j'aimerais bien pouvoir commenter moi-même, envoyer des commentaires, mais je ne peux pas, a priori. Je découvre, aujourd'hui, c'est la première fois que j'utilise StreamYard. Je ne sais pas si la qualité de l'image est tip-top. On va voir si je ne dois pas trouver autre chose. Mais en tout cas, apparemment, ça fonctionne. C'est en chat. Enfin, c'est en live. J'ai un quatrième viewer. Bienvenue, notre viewer. Bienvenue à Canapé Comics. N'hésite pas à m'envoyer des commentaires, à t'identifier. Attention, StreamYard va vous demander d'autoriser que vous puissiez ajouter votre nom au commentaire. Sinon, vous me mettez directement dans le commentaire. Ça ira très bien, très bien. Voilà. Voilà la première partie. C'était la petite promo pour L'Ogre de North Star Comics et les parutions North Star Comics que je vous recommande ici même.
vous trouvez le site internet et vous allez visiter comme des grands. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas découvrir de nouvelles bandes dessinées. J'ai un commentaire. Mais c'est pas possible. Bravo. J'ai un Facebook user qui me dit « Salut, au moins les titres sont à l'endroit, mon Lolo. » Oui, ça y est, j'ai enfin avec StreamYard et les titres qui sont à l'endroit. C'est l'évolution, c'est les bonnes résolutions 2023. Qui es-tu, mon Facebook user ? Il n'y a pas ton nom qui apparaît, donc si tu peux juste me préciser qui tu es, ce sera super chouette. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, maintenant, ça va être les avis lecture. Donc, on va se faire les reviews lecture du moment. Par quoi je vais commencer ? Il y a eu pas mal de lectures, finalement, pour cette semaine. Donc, je vais essayer de commencer dans l'ordre. Alors, je suis passé à Astro City, le comic book, le vrai comic shop, pardon, de Lille, le seul vrai comic shop de Lille, j'ai envie de vous dire, qui nous permet... Alors, attendez, j'essaie de voir si j'ai pas une vue plus sympa qui me permettrait de voir... Non, hop, mieux les commentaires et les bannières en même temps. Mais c'est pas grave. Ah, c'est Séba. Salut mon Séba et salut Gilles. Bienvenue à tous les deux, messieurs. Bienvenue sur ce canapé comic StreamYard. La prochaine fois, il faudra que je vois comment vous pouvez avoir vos noms qui apparaissent différents... qui apparaissent directement sur le StreamYard. Ce sera plus simple pour moi pour vous identifier. Premier achat, je suis surtout allé à Astro City, le comic shop de Lille, pour y trouver mes VO que j'avais commandées. Et il y en avait une que j'attendais depuis un moment. C'est du Rob Liefeld, messieurs, dames. C'est la réédition de Brigade. Brigade, c'était un titre un petit peu culte, représentatif de ce que faisait Rob Liefeld dans les années 90, en fait 93-94, avec la création... d'Image Comics. Brigade, c'est un groupe de super-héros réalisé par Mr. Rob Liefeld. Et là, alors, ce qui m'embête un petit peu dans ce numéro, c'est qu'en fait, c'est un remake, un remastering de ce premier épisode. Et toutes les pages sont réalisées par des auteurs différents qui ne sont pas Rob Liefeld. Alors après, ça doit prendre exactement le premier épisode de Brigade. Donc, je n'ai pas encore lu cet épisode. Il y a des dessins qui sont quand même vachement intéressants. Et à la fin, on a quand même Rob Liefeld qui fait une apparition sur sa propre série, ça me semble un minimum. En fait, pourquoi j'étais intéressé particulièrement pour avoir ce numéro 1 de Brigade ? Parce qu'au dos, il y avait soi-disant une nouvelle création d'un nouveau titre, d'un nouvel univers signé Jim Lee. Et cette fois, on est bien sur des dessins de Jim Lee. Donc, Jim Lee qui se tente à faire une nouvelle peut-être série de super-héros. On ne sait pas trop si ça va aller très loin, mais en tout cas, je l'ai. Une sorte de Superman-like avec un personnage qui ressemble vraiment beaucoup au Kryptonien, même dans le blason qu'il porte sur la poitrine, j'ai envie de vous dire. Et puis finalement, il commence à lancer quelques bribes sur un univers dans lequel finalement, il y aurait des super-héros qui seraient, ou des super-Z qui seraient au-dessus de la populace, qui seraient un petit peu des sortes de... Allez, de roi-soleil, on va dire ça comme ça, qui aurait une sorte de monarchie totalitariste... qui serait ici dirigé par des super-héros ou des super-humains. Et derrière tout ça, il y aurait aussi en face une sorte de résistance, un groupe de super-humains résistants qui s'appellerait on n'a pas encore leur nom. Et donc, du coup, ben, j'aimerais bien lire la suite, mais c'est vraiment 4 pages qui se courent après. C'est pas grave, c'est quasiment inédit. Je pense qu'il y a très peu de monde qui l'a. Moi, je l'ai, ça me fait plaisir, je vais garder ça précieusement. Et puis, bien sûr, je vais lire aussi le remake de Brigade, sachant que si à l'époque c'était dessiné par Rob Liefeld, finalement je pense que j'aurais préféré avoir le comic book dessiné par Rob Liefeld. Voilà, ça c'était la première lecture, c'est une petite lecture fun, un petit plaisir, tranquillou, pas très cher, c'était un comic book, un floppy. Après, très très bonne lecture dans les VO du moment, c'est Batman Incorporated. Batman Incorporated, là je vais le 3, je m'étais préparé le 2 ici, et c'est du très bon. Alors, ça s'appelle Batman Incorporated, mais en fait, il n'y a quasiment pas Batman dedans, donc ça portera un peu mal son nom. La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est, pour moi, du très bon. C'est signé, je crois, Ed Brisson et Bruce Timms. Alors, Ed Brisson au scénario et Bruce Timms au dessin. Il faut que je trouve la page casting. Elle est toujours un petit peu difficile à trouver dans les comics modernes. Ils ne mettent pas ça au début, sinon c'est trop facile. Et puis, on a toujours cette intrigue qui nous permet plus de découvrir les autres personnages qui gravitent autour de Batman, les Batman qui avaient été à un moment recrutés par Batman dans Batman Incorporated et qui sont un peu les Batman à travers le monde. On avait plusieurs versions de Batman dans différents pays puisque
le Batman, la chauve-souris, Bruce Wayne, avait fait des émules. Et là, en plus, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que ça met en avant un personnage que j'aime beaucoup, qui, en fait, m'a fait accrocher à Batman, c'est Ghostmaker, le faiseur de fantômes. En fait, c'est un rival historiquement de Batman, de Bruce, qui est devenu son allié et donc qui est maintenant le capitaine, on va dire ça comme ça, le dirigeant, le leader des Batman Incorporated. Donc, ce fameux Ghostmaker, il est là pour diriger une escouade de Batman du monde entier. Et en plus, ils sont là pour mener une enquête concernant la mort des professeurs, des sensei d'arts martiaux qui avaient été ceux de Bruce et de Ghostmaker, puisque Bruce et Ghostmaker ont été effectivement formés par les mêmes sensei. Ils se sont rencontrés lors de leur formation et tous les deux avaient ce rêve de devenir des sortes de super-héros, de vigilantes qui pourraient sauver des villes et qui pourraient sauver, entre guillemets, le monde, mais qui pourraient vraiment faire de leur talent d'experts en arts martiaux, de devenir vraiment des super-héros, avec deux visions différentes quand même. C'est que Bruce, dès le départ, avait la vision de faire le bien, de ne jamais tuer ses adversaires, alors que Ghostmaker, lui, a commencé par la voie radicale, et quand il devait éliminer des mafieux, ce genre de choses, il n'hésitait pas à trancher dans l'art et leur ôter la vie. Aujourd'hui, il est réformé, il est sous l'aile de Mr. Batman, et donc, du coup, il est là pour devenir lui-même un sensei, le sensei des Batman du monde entier. Et c'est vraiment très, très bon. Les dessins de Mr. Timms sont vraiment excellents. Moi, j'adore ce que fait. C'est bien ça, c'est Ed Brisson et John Timms. J'ai dit Bruce Timms, mais c'est John Timms. J'adore ce qu'il fait. Ses dessins sont toute beauté. Là, je suis désolé, avec la lumière blonde, le bleu de mon ordi, ça ne le rend pas trop. Il faudra que je trouve une autre lumière pour que ce soit plus intéressant et plus sympa à regarder pour vous les prochaines fois. Et puis donc du coup, on est là pour suivre cette enquête, l'enquête qui mène tous les Batman Incorporated à travers le monde à la recherche et à la poursuite de l'assassin des Sunsets, de Ghostmaker et de Bruce Wayne. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Et du coup, on va découvrir un nouveau personnage et on va découvrir à la fin du numéro 2 qui est le mystérieux meurtrier, qui est le mystérieux assassin, avec en parallèle de ça, d'autres guerriers qui apparaissent à travers le monde, qui semblent tous un petit peu reliés par un même costume, une même identité graphique, des guerriers avec une capuche rouge, avec des costumes rouges. Vous voyez, là, on voit une sorte de chaperon rouge. On a aussi un autre guerrier badass complètement différent, mais avec un costume très similaire. Je vais vous le retrouver. Et donc, du coup, le mystère s'épaissit autour de tout ça. Moi, c'est vraiment une très, très bonne lecture. J'adore lire ces lectures. J'adore ce côté-là. En ce moment, c'est vrai que DC Comics me régale, que ce soit dans la Justice League, que ce soit chez Batman, que ce soit dans Robin, que je vous ai présenté avec le festival, avec le tournoi des arts martiaux. Donc, voilà, c'était encore deux bonnes lectures. J'ai eu le 2 et le 3, vivement le 4. On sait donc maintenant qui est le mystérieux assassin, qui est l'ennemi caché de Ghostmaker, parce que c'est finalement Ghostmaker qui est ciblé, vous vous en doutez bien. Et puis on a des histoires, on a les origines, on a finalement la révélation des motifs qui poussent cet assassin à aller au bout et à vouloir finalement quelque part se venger de Mr. Ghostmaker. Donc ça, je vous le recommande. J'espère surtout que ça va paraître en VF rapidement et très prochainement. Moi, je crois que le numéro 4 va paraître ce mois-ci ou prochainement, donc il y aura de quoi faire un album rapidement, surtout qu'il y avait eu en plus en 2022 un Batman annuel qui était consacré au début de Batman Incorporated, donc je pense qu'il y a de quoi faire un album. Ah, et je suis quasiment sûr qu'à la fin de l'année, on aura droit à notre album Batman Incorporated. Donc ça, je vous le conseille à fond si vous voulez vous faire plaisir. Voilà. En fait, moi j'adore, c'est du Batman Incorporated dans lequel il n'y a pas de Batman, donc ça me va complètement. c'est fait pour moi. Alors, je dis ça, mais en même temps, depuis que j'ai découvert Ghostmaker, depuis que j'ai découvert la gamme et j'ai envie de dire la ligne éditoriale Infinite, j'essaie de m'intéresser un peu à toutes les lectures et je suis vraiment tombé dans Batman, la série classique principale, The Series of Batman. C'est du Batman Infinite et c'est du Batman Détective. Moi, je la lis, cette série-là, je suis désolé avec tous mes reflets, c'est pas toujours top, faudra que je trouve une autre source lumineuse, on va y arriver à un moment ou à un autre. Cette fois, alors attendez, tout, où est la lumière bleue? On ne voit plus la lumière bleue. Cette fois, on est dans Batman Infinite bimestriel. Donc, une grosse revue
édité par Urban Comics, avec plusieurs séries d'essai. On a combien d'épisodes ? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 épisodes, sachant qu'un épisode, c'est 22 pages. Voilà, on est à plus de 120, 130 pages de BD. On a des épisodes consacrés à la série principale qui s'appelle Batman Infinite et qui est magistralement dessinée par Jorge Jiménez avec James Tynion le 4. Et on suit les débuts de l'événement Fear of State, État de terreur, et c'est vraiment super chouette. Déjà, c'est magistralement dessiné. On y voit quoi dans Fear of State ? On y voit la suite de ce qui avait commencé à être lancé dans Batman Infinite des débuts. Batman Infinite au début, on a Batman dans son nouveau statu quo. Batman n'a plus son manoir, Batman n'a plus sa Batcave. Batman est un petit peu un Batman à la dèche, un petit peu un Batman qui doit bricoler, qui continue à faire régner la justice. Il vit dans Gotham City et il dépend de plusieurs cages, de plusieurs Batcaves un petit peu dissimulées dans Gotham. Il a moins de moyens et il doit affronter plusieurs ennemis de taille. Il doit affronter Peacekeeper, une sorte de policier, super policier privé qui est embauché par ce j'arrive pas à faire ma météo moi, ce monsieur Simon Saint, qui est un mania des médias et d'entreprises qui veut sauver Gotham grâce à cette police privée. Et derrière tout ça, il y a le maire de Gotham qui est lui aussi un anti-Batman, puisque dans les événements précédents de la guerre des Jokers, cet ancien flic, ce nouveau maire est un ancien flic, avait perdu un œil, etc., etc. Et tient Batman pour responsable de pas mal de malheurs de Gotham City. Et donc là, on a l'état de terreur, c'est-à-dire que l'épouvantail a manipulé le maire, a manipulé Simon Saint, qui est l'employeur qui a créé le fameux Peacekeeper. Regardez-moi ces dessins de Jorge Jiménez. Alors, si on l'a sur la lumière bleue, c'est encore mieux. Je vais essayer de vous les partager sur l'ordi tout à l'heure. Je vais essayer de vous trouver des belles illustrations en même temps que je vous parle. Mais vous voyez, le bouquin, c'est du beau bouquin. Donc, l'état de terreur, c'est l'épouvantail qui passe à l'attaque. Il rend fou le Peacekeeper, qui était censé être le nouveau symbole de la justice à Gotham City, ce super flic. Mais ce super flic est en train de partir en cacahuète. Mais c'est aussi le cas de Bruce. Bruce qui a peur de perdre la tête, puisque notre ami l'épouvantail est avant tout un chimiste. Mais apparemment, il a trouvé un autre moyen et Bruce se rend compte qu'il est manipulé, même qu'il y a une histoire de contrôle mental. Et pour l'aider à reprendre le dossier, il fait appel à mon perso préféré du moment, le fameux Ghostmaker dont je vous ai parlé. Et c'est assez sympa, On voit pourquoi il fait appel à Ghostmaker plutôt qu'à un autre. Et tout est expliqué et tout est plutôt rationnel et vachement bien foutu. Et on en apprend un peu plus sur les motivations et le plan du fameux épouvantail. Voilà, donc moi j'ai lu tous les épisodes qui correspondaient à ceux de Batman Infinite. On a droit à un épisode fill-in consacré à Nightwing, donc on a du Nightwing. Et puis après, on a le droit aussi à Batman qui essaye de sauver la ville, bien entendu. Et il essaye de la sauver des Peacekeepers, donc c'est-à-dire les superflics, hein, puisqu'il y a aussi un anti-superflic, vous verrez ça, je vous laisse lire. Il y a deux versions de superflic, puisqu'il y en a un qui est en train de partir en cacahuète. Les superflics, on a envoyé un autre superflic pour essayer de raisonner et de ramener à la raison le fameux Peacekeeper One, donc c'est-à-dire le premier des magistrats, le premier des superflics privés. Mais bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu et ça part en live en cacahuète. Très très bonne lecture, j'adore, les dessins sont vraiment sublimes. Jorge Jiménez, c'est un des meilleurs dessinateurs du moment. J'ai envie de dire, tout éditeur confondu, vraiment c'est... qu'est-ce que je peux vous montrer ? Regardez-moi ça. Barbara, Harley Quinn, elles sont sublimes. J'espère que vous avez bien l'image. Il y a juste ma lumière qui est un peu enquiquinante. Mais c'est du tout bon. Vraiment très très bonne lecture. Donc j'ai démarré ce fameux... Regardez-moi cette Queen Ivy. Poison Ivy qui est devenue Queen Ivy, Batman avec Barbara, c'est magnifique, magnifiquement magnifique. Donc j'ai lu les épisodes de Batman Infinite, il me restera à lire la suite, les épisodes Batman Détective, et puis la suite de tout ça, il y a des épisodes concernant un crossover entre Batman et Superman, très très bien dessiné, mais j'accroche moyen, c'est dommage,
ces épisodes-là, c'est la suite de ce qui est paru dans le tome précédent et de ce que j'en ai vu. Bah, j'accrochais moyen, donc je vais voir si j'arrive à rattraper. Pourtant, il y a des dessinateurs que j'aime bien. Je crois qu'il y a Paul Pelletier. Il y a vraiment du beau monde, des beaux dessins, mais je crois que j'ai du mal avec l'intrigue principale et le scénario qui nous est proposé sur cette série. On verra si j'arrive à aller au bout. Bien sûr, je vous en reparlerai. Quoi qu'il en soit, je vous parlerai du Batman Détective. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour les lectures du moment ? J'ai envie de vous dire que non. Donc, on était pas mal. Désolé, un de mes viewers nous laisse. Je regarderai la suite en replay. Bien entendu, tu reviendras sur le replay. J'espère que ce ne sera pas trop long ce soir. Je vais essayer de vous trouver, en même temps que je vous parle, des visuels de Batman Infinite, Fear of State, pour vous présenter à quel point c'était... c'est vraiment du grand art. Et c'est Jiménez. Est-ce que j'ai du Jorge Jiménez quelque part ? Tac, tac, tac. Je cherche. Ok. Je voudrais des images. Est-ce que j'ai des images ? J'ai des couvertures. Bon, je peux vous mettre celle-là en... On va faire un petit... Comment je fais pour partager mon écran ? Présenter, partager l'écran. Le partage d'écran est plus facile avec deux écrans. Le partage d'écran fonctionne mieux sur un ordinateur performant. On va essayer de vous partager l'écran. Alors, sélectionner une fenêtre ou un écran. Oui, qu'est-ce qu'il me dit ? Écran entier, bien sûr. Autorisé. Alors, voilà. Oula, ça, c'est terrible, ça. Ce que je voulais vous partager, c'était surtout ça. Est-ce que j'arrive à vous le partager ? Oui, vous devez le voir à apparaître, et moi je le vois pas, c'est les images, donc Ghostmaker, Batman, l'épouvantail. Ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est le dessin, le talent de Jorge Jiménez, qui fait vraiment un boulot de folie. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite fortement à découvrir Batman Infinite, Fear of State, c'est vraiment du très grand art. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme... Voilà, on voit déjà du Mr. Jiménez dans ses œuvres. Là, on a d'autres dessinateurs. On revient sur Jorge Jiménez. Ça, c'est les épisodes de Nightwing. Jorge Jiménez qui revient. Bon, il y a un peu tous les dessinateurs, mais il y avait vraiment... Voilà le Peacekeeper dont je vous parlais. Le Ghostmaker, mon personnage principal du moment. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés aussi. C'est ça qui me plaît dans les séries. Dans les séries, alors il faut que je départage mon écran pour que ça ressemble à quelque chose. Comment je fais pour départager mon écran ? Ok, je suis revenu à la version normale. Très bien, je comprends mieux. Donc voilà, vraiment bonne lecture en ce moment, le Batman. DC Comics en ce moment, moi je trouve ça très très bon, que ce soit sur Superman, sur Justice League, sur Batman. Même Robin et Superman, le fils de Kal-El, de Superman, le fils de Krypton, sont très bons pour moi. C'est vraiment des très bonnes surprises et des très bonnes lectures. Voilà, autre chose à venir, avant de vous parler de Midnight Suns, je me suis fait un beau petit cadeau, un cadeau à pas cher, à 5,90€, messieurs, dames, 5,90€, elle est là. C'est Kingdom Come, le récit culte de Alex Ross, qui est paru en Urban Nomad. Urban Nomad, c'est des grands titres DC Comics. Alors là, c'est mieux sans la lumière bleue parce que ce n'est pas du papier brillant. Donc là, j'en profite, je vais vous montrer un max de pages. Donc du coup, Urban Comics, c'est quoi ? C'est du comic book pas cher, à petit prix et petit format. Regardez par rapport aux comics classiques, on est vraiment sur un format un peu plus petit. Mais ça reste quand même très abordable et très lisible. Moi, j'avais un peu peur de lire... le chef-d'œuvre de Alex Ross en plus petit format, et écoutez, ça m'a l'air top. J'ai vraiment envie d'avoir du temps pour lire à nouveau Kingdom Come. Il va être sur ma pile à lire. La semaine prochaine va être plus calme. Les débuts de janvier, ça va être calme. Je crois que le mois de janvier va être plus calme en termes de lecture comics. Donc moi, je vais pouvoir me faire plaisir et avancer dans ma pile à lire. Et je pense que Kingdom Come fera partie des plaisirs et de la pile à lire que je vais tomber prochainement. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous lire le résumé de ce que c'est que Kingdom Come. Kingdom Come, regardez déjà aussi le dessin, le Superman badass et un petit peu vieillissant d'Alex Ross. Alors, Kingdom Come, dans un futur possible, les super-héros d'antan ont été surclassés
tu es remplacé par une nouvelle génération plus agressive, mais aussi plus amorale. Aussi, lorsque des surhommes rayent accidentellement le Kansas de la carte des États-Unis, il revient au premier d'entre eux, Superman, de sortir de sa retraite et d'inculquer à cette nouvelle garde le goût de la vérité et de la justice. Conçu à quatre mains par Mark Waid et Alex Ross, Kingdom Come décrit la fin du règne des super-héros DC et raconte la dernière histoire de cette mythologie moderne, une véritable déclaration d'amour de ses auteurs à l'univers DC. 224 pages, 5,90€, c'est partout, c'est disponible partout, dans les bonnes librairies de France et de Navarre. Moi je me suis fait plaisir avec Kingdom Come. Ça c'est la deuxième vague, mais vous allez pouvoir trouver les comics de la première vague qui sont toujours disponibles. Moi j'avais acheté Flashpoint, un des gros crossovers, une des crises DC, une des crises vraiment très intéressantes. Là on est sur 160 pages, on était à 5,90€. C'est pareil, c'est du très beau, c'est du Kubert au dessin. Alors, je ne sais plus si c'est Andy ou Adam, c'est Andy. Et on a vraiment tout un univers alternatif dans lequel est plongé le DC Universe. Et c'est vraiment, encore une fois, aussi un grand, grand moment de comics, un grand moment de lecture. Moi, j'avais été ému par les dernières scènes qui mettaient en scène Batman, d'ailleurs, avec la lettre, pour ceux qui l'ont lu. C'est vrai que je crois que ça m'avait fait verser ma petite larme. Et quand même, dans les lectures comics, ce n'est pas souvent que ça m'arrive. Mais j'avais vraiment été ému par ce final qui nous était proposé dans Flashpoint. Voilà pour les lectures du moment. Alors, à présent, on va vous parler de quoi ? Je vais vous parler plutôt de, d'une review jeu vidéo avec Midnight Suns. Midnight Suns, c'est quoi donc ? Alors, attendez, on va faire un test. Midnight Suns, boum, je fais une petite bannière qui va bien. Est-ce que j'ai écrit ça comme il faut ? Je ne suis pas sûr. Ouais. Ouais, jeu vidéo Midnight Suns. Ok. Je vais retenter de partager mon écran. Partager l'écran. Et alors, oui, partager l'écran. Mais alors, quel. Jamin, StreamYard, Mozilla, Jump Post, Resolve Window. J'arrive pas à voir ce que je peux partager, ce que je ne peux pas partager. Non, ça, je ne peux pas le partager. Ça, c'est quoi ça ? Hop, j'aimerais partager avec vous écran entier, mais si j'ai l'écran entier, comment ça se passe ? Une petite vidéo, mais il faut peut-être que... Ouais, déjà, on va faire comme ça. Je tâtonne, mes amis. Je tâtonne. Format écran, appuyez sur Shift plus F6. On fait voir. Shift plus 6. Mais pourquoi d'abord ? Pourquoi tu ne me le mets pas si je veux cliquer ? Pourquoi tu ne me le mets pas ? Je voudrais vous montrer. À bloquer l'écran, cliquez sur l'icône de l'écran dans votre barre d'adresse pour autoriser plus d'accès, puis utiliser la page. Je n'ai pas tout bien compris ce que me propose mon ami. Ce que je voudrais, c'est vous montrer le trailer de Midnight Suns, le jeu vidéo pendant que je vous en parle. Midnight Suns, c'est un jeu vidéo qui est paru en fin d'année, qui met en... Comment on appelle ça ? Qui fait la part belle et qui met en action un nouveau groupe de super-héros, entre guillemets, plutôt un groupe de super-héros que Marvel qui est ressorti du grenier, c'est les Midnight Suns. Originalement, c'était les Fils de Minuit qui deviennent les Midnight Suns. Les Soleils de Minuit. Donc, un petit jeu de mots, a priori. Bon, rien de sensationnel non plus. Mais, le jeu vidéo est vachement sympa. Moi, je le trouve vachement sympa. Votre navigateur a bloqué votre écran. Cliquez sur l'icône de l'écran pour donner dans votre barre adresse pour autoriser accès. J'ai pas tout bien compris. Bon, j'arrive plus à partager mon écran. C'est dommage. J'aurais bien voulu partager mon écran avec vous. Comment je peux faire ? Je vais retenter une autre fois. Présenter, partager l'écran. Partager l'écran. Toc, toc, toc. Et il veut toujours pas que je partage mon écran. C'est dommage, j'avais déjà tout prévu à ce niveau-là. Ok, comment on peut faire pour essayer de vous montrer une bande-annonce de Marvel Midnight Suns ? Donc, pendant que j'essaye de vous la présenter, cette bande-annonce, tout simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous êtes un jeu, c'est ce qu'on appelle un jeu de stratégie apparemment. Donc, on va mêler action, mais de l'action qui va être réfléchie, on va avoir des bastons, on va jouer plusieurs personnages. C'est ça qui m'a intéressé. On joue surtout des Avengers. On est vraiment dans le Marvel Universe assez moderne, où on a plutôt des sortes de Avengers du surnaturel.
Et donc, on va incarner un personnage en particulier qui s'appelle Hunter, qui pourra être une femme ou un homme qu'on peut customiser. Donc, vous pouvez créer finalement votre propre super-héros. Vous lui mettez le visage que vous voulez, les cheveux que vous voulez. Il n'y a pas un look non plus que vous pouvez changer en termes de costume. Le costume, entre guillemets, est déjà prédéfini, mais il peut évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Donc, ça reste très sympa et très fun. Et donc, du coup, on est du côté surnaturel de Marvel, ce qui me plaît beaucoup, moi, dans le jeu, parce que finalement, Marvel n'est pas très fort pour développer le côté surnaturel de son univers. Je trouve que DC Comics le fait très bien avec la magie et le surnaturel. Marvel, pour l'instant, ne l'a pas trop développé. Et c'est ce qui me plaît dans Midnight Suns, donc de découvrir, moi, des personnages et une facette de l'univers Marvel que je ne connaissais pas réellement bien, que je pensais peut-être connaître, mais ce n'était pas vraiment le cas, et il faut dire la vérité. Du coup, c'est aussi ce qui fait le fun, c'est qu'on va suivre cette aventure au fur et à mesure. On va pouvoir quand même jouer et interagir. C'est un jeu qui est sur toutes les plateformes. Alors, je ne sais pas qui tu es, mon Facebook user. Identifie-toi dans les commentaires, s'il te plaît, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous n'avez pas pu avoir votre nom qui est intégré directement sur ma plateforme StreamYard. Donc, ça s'appelle Midnight Sun. C'est disponible sur toutes les nouvelles générations de consoles. Moi, mon fils a une série X Xbox, mais c'est disponible sur la PlayStation 5. Il faut savoir, je ne sais pas si c'est disponible sur les générations d'avant qui sont quand même assez récentes, c'est-à-dire les Xbox One et les PlayStation 4. C'est du Midnight Suns, donc c'est du Marvel Avengers dans un univers surnaturel. Vous allez incarner un héros inédit, un héros qui n'existe pas pour l'instant dans l'univers Marvel, et c'est super fun, quoi. C'est vraiment super, super fun, puisqu'on va avoir des bastons. Pour faire nos bastons, on va avoir des cartes de pouvoir d'action qu'on va pouvoir utiliser. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes, au lieu que ce soit un jeu de baston classique où on les envoie et ils vont taper tout le monde, c'est vous qui choisissez l'action, parce que l'action, elle peut avoir des impacts sur les adversaires, elle peut avoir des impacts sur le décor. Alors moi, je suis pas du tout un gamer. C'est peut-être des trucs très classiques et très bateaux. C'est peut-être même un petit peu nul pour les vrais gamers. Mais moi, je m'éclate à découvrir ce genre de stratégie, voilà, de stratégie de jeux vidéo, de vidéo ludique. Et le gros point, le meilleur point, je crois, de ce jeu, c'est aussi qu'il y a bien sûr de l'action, mais il y a aussi beaucoup de phases où, une fois qu'on a rempli une mission, on est à l'abbaye, le quartier général des Midnight Suns, et on va interagir, on va explorer l'abbaye, on va découvrir, on va en savoir plus sur le mystère qui entoure la création de l'abbaye et les personnages comme Agatha Harkness, comme Caretaker. On va en apprendre aussi beaucoup plus sur le grand vilain de cette histoire, puisque le vilain de l'histoire, c'est Lilith, la reine des démons, qui est revenue à la vie et qu'on doit essayer de vaincre. Et d'ailleurs, Hunter est le fils ou la fille, selon l'option que vous avez choisie, de Lilith. D'accord ? Donc, vous allez déjà explorer l'abbaye et ses alentours, l'abbaye qui est une micro-dimension de poche à Salem, la ville des sorcières aux États-Unis. Et puis, bien sûr, on interagit avec Tony Stark, avec Captain Marvel. Pour l'instant, j'ai Spider-Man qui est arrivé, c'est cool. Le Spidey de Midnight Sun, c'est vraiment très bon. Et en plus, gros point positif du Spidey de Midnight Sun, c'est la voix qui double André Garfield dans les Spider-Man, Amazing Spider-Man. Donc, vous avez une voix d'un Spider-Man du cinéma pendant le jeu. C'est vraiment sympa. Moi, j'avoue que c'est vraiment top. Peut-être point négatif tout de même, c'est les visages des personnages. Quand vous êtes en interaction, pas quand vous êtes en gameplay, quand vous n'êtes pas non plus dans les cinématiques, quand vous êtes en interaction au QG et l'ABI, les visages ne sont pas très, très réussis. C'est très, très lisse. Mais moi, ça ne m'enlève rien à mon fun. Le fun, c'est vraiment d'interagir avec les Avengers, finalement, de devenir un Avenger du surnaturel avec les Midnight Suns. On va avoir des capacités qui vont augmenter au fur et à mesure. On va pouvoir gagner des nouveaux costumes, des nouvelles aptitudes. Et puis, on va avancer dans l'histoire et dans l'aventure. Moi, ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. J'avoue que je joue pas tous les jours parce que j'ai pas ce luxe-là et le temps qu'il me faut. Mais allez, une fois tous les deux, trois soirs, je me fais une heure et demie de jeu. J'avance au fur et à mesure. En général, je fais une mission. Et puis après, j'interagis à l'abbaye, au quartier général des Midnight Suns. Et c'est vraiment super chouette. Moi, je m'éclate avec ce jeu. Donc, si vous-même... Ah, salut Mathieu. Bon, bah écoute, bienvenue Mathieu. C'est Midnight Suns dont je parle. Si vous-même, vous jouez à Midnight Suns, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur quel est votre avis. Moi, je ne suis pas du tout un gamer. Je suis juste un fan de super-héros, un fan de comics. Et avec ce jeu, je rentre de plein pied nouvelle génération des consoles de jeux vidéo. Et puis, ça me ramène aux jeux vidéo. Peut-être une chose... Aussi, en termes de critique, c'est le système de jeu pendant les bastons de cartes est vraiment très intéressant parce que ça vous fait faire
des choix. Vous êtes obligé de faire des choix pour remplir certaines missions. Par contre, du coup, c'est assez lent par rapport à des jeux classiques. Moi, je sais que le jeu ultime auquel j'avais joué, qui me plaisait énormément, c'était Marvel Ultimate Alliance. J'avais adoré le scénario, j'adorais toutes les possibilités. Et c'était un petit peu plus rapide, du coup, en termes de baston, parce qu'on avait des pouvoirs. Et ça se gérait quasiment automatiquement quand on envoyait les personnages faire une baston. En même temps, c'est le fun du jeu, c'est de pouvoir être un petit peu plus décisif dans les actions qu'on met en place et que nos personnages vont réaliser. Donc, c'est vrai que c'était assez ça qui était sympa. Alors, je suis en train d'essayer de voir comment je peux à nouveau essayer de vous montrer des images. Votre navigateur a bloqué votre écran. Cliquez sur l'icône de l'écran dans votre barre d'adresse. Ah oui, ça y est, j'ai compris. On va y arriver. OK. On va la refaire. Partager l'écran. Oui, alors qu'est-ce que je veux comme fenêtre ? Jump post message. Hein ? Écran entier. Autorisé. OK, on va essayer. Voilà. Allez, je vous balance la bande-annonce du Midnight Suns. Alors là, ce que vous allez voir, c'est surtout les cinématiques du jeu. En réalité, le jeu n'est pas aussi beau que ça. Là, c'est des trailers que je ne crois même pas avoir vu forcément, je crois, dans le jeu. Donc, dans le jeu, c'est un petit peu moins beau. Vous voyez quand même les visages qui sont un petit peu moins fins que ce qu'on peut trouver. C'est un petit peu plus lisse. Je dirais que la qualité, finalement, finale des visuels n'est pas optimum. Mais vous voyez, c'est ça, c'est l'ABI. C'est le quartier général de cette équipe. Ça doit être Lilith ou un de ses démons. On a le droit de jouer avec Blade, tous ces personnages, Captain Marvel. Ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on a un mélange entre les Avengers et les Midnight Suns, donc qui sont les super-héros du surnaturel. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on va évoluer pour essayer de vaincre cette fameuse Lilith. Vous avez vu qu'a priori, il y aura des personnages vraiment super intéressants et aussi des designs de folie sur la fin du jeu. J'espère que je vais avoir ces costumes version Midnight Sun, ces costumes noirs et or qui sont censés peut-être représenter le côté pouvoir ultime de tous ces Avengers et Midnight Suns du surnaturel. Ouais, c'est vraiment une réussite pour moi. J'adore ce jeu. Alors attention, encore une fois, là, c'est des cinématiques. Le jeu en soi n'est pas aussi beau que ce que vous voyez là. Je vais essayer de vous montrer un gameplay sur une des vidéos YouTube que j'arrive à trouver pour que vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Mais ça reste très fun. Il y a toute cette exploration des personnages. On peut aussi rajouter pas des skins, mais des tenues. Et on peut faire évoluer les costumes des personnages. On peut faire ami-ami avec les personnages. Selon ce qu'on va répondre à notre personnage, on peut choisir soit la voix du bien, soit la voix de la lumière, soit la voix des ténèbres, on va dire ça comme ça. Et puis, en fonction des échanges qu'on a avec nos comparses et nos compères, on gagne des points de sympathie ou pas. Donc, du coup, ça va aussi altérer notre capacité à mener l'aventure. Il est parfait, ce costume de Captain Marvel. Donc, voilà ce que représente Midnight Sun. C'est un jeu vraiment très, très chouette. Apparemment, ils appellent ça un jeu de stratégie. Moi, je m'éclate avec Midnight Suns. Et puis, bah, je vous le conseille. Faites voir si je reviens ici. Ça donne quoi ? Non, c'est pas terrible. On va revenir sur l'écran. Je vous le conseille puisque vraiment, vous êtes dans ce qui se fait aujourd'hui d'intéressant, de chouette, dans les comics Marvel modernes. On n'est pas dans l'univers et l'ambiance du Marvel Cinematic Universe. Au début, j'avais un peu peur que ça me bloque. C'est d'ailleurs ce qui était, selon moi, le défaut du précédent jeu Avengers, puisqu'on avait des sortes de Avengers réalistes, mais qui ne correspondaient pas aux acteurs du Marvel Cinematic Universe. Donc, du coup, on n'arrivait pas à rentrer dedans. Là, on est dans un mix, un juste milieu entre le design de comics et un design réaliste. Finalement, ça marche plutôt bien. On ne se rattache pas à des acteurs qui existent déjà. Les persos, on les connaît. Bon, il y a des persos qui ne sont pas très réussis. Moi, je trouve que Tony Stark n'est pas terrible. Lord Doctor Strange, par contre, est plutôt chouette. Hunter, le personnage que vous incarnez, c'est vous qui le designez au départ. Vous lui donnez un visage, couleur des yeux, coupe de cheveux. Vous lui donnez son genre, un homme, une femme, etc., etc. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment 100% fun. Voilà la grande méchante Lilith, la reine des démons, et Hunter version féminine, puisque dans le jeu, la version officielle d'Hunter, c'est la fille de Lilith. Voilà pour les images officielles, mais si je tape Midnight Suns gameplay, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond en vrai. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Tout, 44 minutes, ça fait beaucoup. Je voudrais vous montrer un truc qui va vite, qui est sympa, qui est fun. Midnight Suns,
Tac, qu'est-ce qu'on a? Ah, les pubs. Ben, je vais vous mettre un petit peu de pub. Merci à Laurent de nous avoir donné des pubs. Donc, du coup, je vous épargne les pubs. On va revenir sur le live. Je vous remontre cette vidéo. Ah, voilà, voilà. Vous avez vu le logo, tout va bien. Et encore une pub. Donc, vous allez voir, oui, le gameplay est assez sympa. Vous êtes par équipe de 3 à chaque fois. Vous allez accomplir une mission. Les missions ne sont pas super dures pour l'instant à accomplir. Parfois, il y a des petites astuces à comprendre. Il faut d'abord remplir la mission avant de vaincre les ennemis. Enfin, des petites choses comme ça. Et ça reste vraiment très, très fun. Alors, voilà, on est sur quoi? On est sur les cinématiques uniquement, mais moi, je voudrais voir le gameplay. Oui, bah, les pubs, allez vous faire voir chez les Grecs. Alors, qu'est-ce que... On va le voir, ce gameplay? Non, oui. Voilà, quand vous jouez, ça ressemble à ça. Ça va ressembler à ce genre de choses. Et encore, là, la résolution est peut-être un peu meilleure que sur ma console, mais non, ouais, c'est ça, vous voyez les actions qu'on peut faire. On est obligé de regarder ce que ça peut impliquer, puisque finalement, quand on attaque un adversaire, il peut rebondir sur des objets, il peut rebondir sur d'autres adversaires, etc., etc. Voilà comment ça se joue. Donc du coup, c'est un peu plus long qu'un jeu d'action classique, traditionnel. Moi, je garde en tête Marvel Ultimate Alliance. Faites-nous une version Marvel Ultimate Alliance pour les nouvelles séries et consoles, ce sera génial. Donc voilà, voilà à quoi ressemble ce jeu. Moi, j'avance au fur et à mesure. Je n'ai pas encore tous les personnages, mais des personnages très très fun qui me plaisent énormément. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, je veux repartager. Non, voilà, j'ai départagé mon écran. On est revenu. Voilà, donc du coup, c'était mon expérience, entre guillemets, mon avis sur Midnight Suns. Je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine. Là, je suis pas mal, j'ai bien avancé. Je suis content de moi. Je pense que j'ai terminé le premier chapitre. Donc, c'était les deux premiers chapitres. On a Venom en tant qu'ennemi, puis le Dr. Faustus. Là, j'ai réussi à vaincre le Dr. Faustus. Donc, j'avance au fur et à mesure. Midnight Suns, vraiment très beau aussi pour les designs des costumes. Vous avez vu les costumes noir et or qui sont spéciaux pour ce jeu. J'espère spécifiques pour ce jeu. J'espère qu'on aura droit à des figurines, peut-être des figurines Marvel Legends, ce serait sympa. Sur ces designs de Midnight Suns ou des pop ou des Funko Pop, il y a vraiment un merchandising très très sympa à faire autour de tous ces nouveaux looks et de tous ces nouveaux designs. Voilà, j'ai fait le point. Apparemment, mon live via StreamYard a fonctionné comme il faut. C'était en live depuis Facebook French Comics Force. J'espère que je vais savoir facilement récupérer la vidéo pour la mettre sur YouTube. On a fait ce premier test ensemble. J'espère que ce sera plus simple la prochaine fois pour annoncer l'événement, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Au fur et à mesure, on va s'améliorer. Et puis, je vous donne donc rendez-vous prochainement. Je pense au moins mercredi prochain à 21h30, comme à chaque fois. Si j'ai l'occasion de faire une vidéo supplémentaire ou deux et que StreamYard est un peu plus facile d'accès pour moi, ben, peut-être que je reviendrai vers vous entre-temps. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager. En fait, ça, je ne le fais pas souvent, mais cette fois, je vous invite à liker, à partager les vidéos. Que vous dire de plus, comme chaque fois, à la semaine prochaine, et puis comme à chaque fois, surtout, à tantôt, et lisez des comics.